Message de Notre-Dame la Salette à Maximin et Mélanie. La nature demande vengeance pour les hommes, et elle frémit d'épouvante dans l'attente de ce qui doit arriver à la terre souillée de crimes. Tremblez, terre, et vous qui faites profession de servir Jésus-Christ, et qui au-dedans vous adorez vous-même. Tremblez, car Dieu va vous livrer à son ennemi, parce que les lieux saints sont dans la corruption. Beaucoup de couvents ne sont plus les maisons de Dieu, mais les pâturages d'Asmodée et des siens. Ce sera pendant ce temps que naîtra l'Antéchrist. Les saisons seront changées, la terre ne produira que du mauvais fruit, les astres perdront leur mouvement régulier, la lune ne reflétera qu'une faible lueur rougeâtre, l'eau et le feu donneront au globe de la terre des mouvements convulsifs et d'horribles tremblements de terre qui feront engloutir des montagnes, des villes. Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. Les démons de l'air, avec l'Antéchrist, feront de grands prodiges sur la terre et dans les airs, et les hommes se pervertiront de plus en plus. Dieu aura soin de ses fidèles serviteurs et des hommes de bonne volonté. L'Évangile sera prêché partout, tous les peuples et toutes les nations auront connaissance de la vérité. J'adresse un pressant appel à la terre. J'appelle les vrais disciples du Dieu vivant et régnant dans les cieux. J'appelle les vrais imitateurs du Christ fait homme, le seul et vrai sauveur des hommes. J'appelle mes enfants, mes vrais dévots, ceux qui se sont donnés à moi pour que je les conduise à mon Fils divin, ceux que je porte pour ainsi dire dans mes bras, ceux qui ont vécu de mon esprit, enfin, j'appelle les apôtres des derniers temps, les fidèles disciples de Jésus-Christ, qui ont vécu dans un mépris du monde et d'eux-mêmes, dans la pauvreté et dans l'humilité, dans le mépris et dans le silence, dans l'oraison, et dans la mortification, dans la chasteté et dans l'union avec Dieu, dans la souffrance et inconnue du monde. Il est temps qu'ils sortent et viennent éclairer la terre. Allez, montrez-vous comme mes enfants chéris. Je suis avec vous et en vous. Pourvu que votre foi soit la lumière qui vous éclaire dans ces jours de malheur, que votre zèle vous rende comme des affamés pour la gloire et l'honneur de Jésus-Christ. Combattez, enfants de lumière, vous, petit nombre qui y voyez, car voici le temps des temps, la fin des fins. L'Église sera éclipsée. Le monde sera dans la consternation. Mais voilà Hénoc et Élie, remplis de l'Esprit de Dieu, ils prêcheront avec la force de Dieu, et les hommes de bonne volonté croiront en Dieu, et beaucoup d'âmes seront consolées. Ils feront de grands progrès par la vertu du Saint-Esprit et condamneront les erreurs diaboliques de l'Antéchrist. Malheur aux habitants de la terre.
Il y aura des guerres sanglantes et des famines, des pestes et des maladies contagieuses. Il y aura des pluies d'une grêle effroyable d'animaux, des tonnerres qui ébranleront des villes, des tremblements de terre qui engloutiront des pays. On entendra des voix dans les airs. Les hommes se battront la tête contre les murailles. Ils appelleront la mort. D'un autre côté, la mort fera leur supplice. Le sang coulera de tous côtés. Qui pourra vaincre si Dieu ne diminue pas le temps de l'épreuve? Par le sang, les larmes et les prières des justes, Dieu se laissera fléchir. Hénoc et Élie seront mis à mort. Rome païenne disparaîtra. Le feu du ciel tombera et consumera trois villes. Tout l'univers sera frappé de terreur, et beaucoup se laisseront séduire car ils n'ont pas adoré le vrai Christ vivant parmi eux. Il est temps. Le soleil s'obscurcit. La foi seule vivra.